Salut à tous, nous sommes lundi 30 novembre 2020. Il est 8h55 je crois. J'ai déjà commencé à travailler mais je vais prendre mon petit déj, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais ouvrir le vlog maintenant avec vous. Donc comme la semaine dernière, je suis repartie pour le moment sur la tartine de carré frais, les clémentines. Donc voilà, tout est là, il y a ma tartine, il y a les clémentines. Et puis il y a mes compléments alimentaires et mes médicaments pour les dents. Parce que c'est ce soir que je me fais arracher mes 3 dents de sagesse. Ma soupe que je voulais faire, je ne l'ai toujours pas faite. Donc je vais essayer de la faire aujourd'hui. De toute façon, je pense que ce soir ça va être ça. Même s'il faut mettre du froid, je le sais. Mais je pense que je mangerai quand même de la soupe un peu tiède. Donc, ou alors je peux peut-être faire un gazpacho. Je ne sais pas, on verra bien. Donc là, je vais me mettre à travailler quand même. Et puis je suis contente parce que ces cheveux seront un lointain souvenir. Fin de cette semaine, je vais les couper enfin. C'est trop long pour moi. En plus, c'est vraiment la longueur bâtarde, comme on peut dire plus communément. Donc voilà, ça fait du bien de prendre soin de soi après toutes ces fermetures là. Donc voilà, après les ongles, les cheveux, c'est futile, mais c'est très important pour. Pour moi en tout cas, de me sentir bien et de prendre soin de moi surtout. Donc on est parti pour une nouvelle journée, pour une nouvelle semaine même. Et puis je vous emmène avec moi, comme d'habitude. Demain, grand retour à la salle de sport. Bon, pour midi, c'est le reste de lasagne. Bon, il reste encore, mais j'ai pris juste un petit bout ici. Il restait un reste de farce en fait. Donc j'ai pris plus de farce que de lasagne avec les pâtes à lasagne et ça sera très bien pour ce midi. Bon, ça y est, c'est fait. Maintenant, je vais me reposer. Un peu mal à la tête. Coucou à tous, nous sommes mardi 1er décembre, ça y est, au mois de décembre. Ça va un petit peu mieux qu'hier. Je suis désolée, je ne vous ai pas repris parce que c'est surtout de ce côté-là que j'ai morflé. Elle était très dure à enlever, elle s'est cassée en deux, enfin bref. En tout cas, le chirurgien dentiste a assuré. Il était vraiment sympa. J'étais à la clinique Réna. Il était vraiment très très bien. Bon, après, je me balade avec ça, mais ça me dérange pas. Hein. Une tare de plus ou de moins, ça changera pas grand chose dans ma vie. Bref, de toute façon, aujourd'hui, je dois juste déposer Antoine à son travail. Et j'ai rendez-vous à 11h30 avec ma coach, j'ai gardé le rendez-vous mais je lui ai expliqué que voilà, je pourrais pas faire des trucs de fou, mais c'est surtout pour faire un bilan, on va refaire le in-body, on va me peser et tout pour repartir sur une base saine. Et voilà, mais sinon j'arrive pas à manger, j'ai pas mangé depuis hier 14h. Je vais essayer d'avaler un yaourt, parce que comme je prends des médicaments, je pense que c'est quand même mieux de manger avec les médicaments, donc je vais essayer de faire ça là, ce matin. Hier soir, j'ai comaté dans le canap de 17h30, l'heure où je suis rentrée, jusqu'à minuit, je crois. Puis après, je me suis dit, oh, vas-y, va te coucher quand même, tu seras mieux. Mais je crois que j'étais mieux dans le canapé parce que moi, je dors sur le ventre et j'arrivais ni à dormir sur le côté, ni sur le ventre. J'ai dû dormir sur le dos toute la nuit. Ça a été un calvaire pour moi parce que je sais pas dormir sur le dos. Mais j'avais pas pris conscience que c'était si gonflé là quand j'ai mis ma crème sur le visage après ma douche. Je sais pas. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Je suis très contente de l'avoir fait. J'ai fait les 3 d'un coup, au moins c'est fait, on n'en parle plus. J'ai pas besoin de retourner souffrir quelque part. Et puis je vais pouvoir faire mon scanner pour mon appareil dentaire. Et ça, c'est une très bonne chose, je suis très contente. Au début, j'avais peur qu'il puisse pas enlever les 3. Hier, il a dit, je sais pas, on va voir. La dernière, il a dit, je vais essayer, mais je ne garantis pas. Et en 2 secondes, celle du haut, là, il l'a sortie. Donc, nickel. Voilà, ça a pris à peu près 40 minutes l'intervention pour les 2 dents de sagesse du bas et celle du haut. Voilà. Bon, je vais m'habiller en jogging, du coup, aujourd'hui. Comme à 11h, je dois aller à la salle. Et voilà. C'est tout pour le moment. À plus tard. Bon. Update, j'ai repoussé mon rendez-vous au sport parce que ce serait inconscient d'y aller. Normalement, déjà le sport c'est interdit pendant 3 jours, je crois. Et ouais, ce serait inconscient d'y aller parce que j'ai quand même mal. Là, je viens d'aller m'habiller dans la salle de bain et je me suis dit, non, mais déjà pour t'habiller, quand tu te baisses, tu galères. Donc, j'ai pas envie de mobiliser ma coach juste pour aller me peser et puis repartir, ça sert à rien. Donc, on va. J'ai repoussé et puis on fera ça un autre jour, c'est pas grave. Si je veux mieux jeudi, j'irai jeudi. Sinon, on fera ça la semaine prochaine. Mais
Vous êtes contente, quoi. Mais en tout cas, je retournerai à la salle, je pense, samedi déjà, au moins pour faire du tapis ou quelque chose, si je me sens mieux, parce que j'ai trop envie d'y retourner. Hein. Franchement, j'attendais ça avec impatience. Je me suis même commandé des nouvelles chaussures sur Showroom à 20 euros. Des nouvelles baskets, toutes roses, évidemment. Donc voilà, bref. Bon, allez, je vais aller allumer mon ordi, puis c'est parti pour une nouvelle journée. Je viens de prendre l'antidouleur, j'espère qu'il va vite faire effet. Bon, il est 10h08, je suis en train d'imprimer mon attestation pour partir au travail demain. J'essaye de manger un yaourt, mais le problème c'est que je n'arrive même pas à ouvrir la bouche. Donc je rentre ma cuillère comme les bébés en fait, et j'en ai partout. C'est magnifique. Donc je pense qu'un yaourt, ça va me suffire pour un petit moment là. Je l'aurais mérité mes belles dents, je crois. Bon, il est midi 10, je vais me faire chauffer le restant de soupe, enfin de velouté Picard. Et puis pour ce soir, je ferai ma soupe enfin, que je devais faire déjà le week-end dernier. Mais j'ai bien fait de pas la faire finalement, parce que sinon j'aurais dû la congeler et tout. Donc j'ai plus trop de place dans mon congèle, donc je vais la faire ce soir. Et ça me fera mon repas bah, pour les jours à venir. Et là, il y a mon petit bébé qui attend que je vienne manger. Ah oui, je sais plus si je vous avais montré le sapin fini du coup la semaine dernière. Donc il est comme ça, c'est les couleurs que j'aime. Hein. Je pense qu'une fois qu'on aura déménagé, je passerai peut-être sur des couleurs un peu plus nature, on verra bien. Mais moi j'aime bien ces couleurs-là. Et ici, on a les jolies chaussettes de Noël personnalisées que Charlotte de la boutique Les Cotons de Charlie m'a gentiment faites quand je lui ai demandé. Et que j'ai payé bien sûr. Et donc voilà ma petite soupe de ce midi, elle est vraiment trop bonne. Ce velouté est vraiment excellent. Il vient de chez Picard et j'aime trop. Bon, il est l'heure d'ouvrir ma première case du calendrier de l'Avent que Mayuessly m'a envoyé. Donc ça, c'est Antoine, il a déjà ouvert sa case. Ça va être plus long de trouver le 1, si tu vois, tu me dis. Les numéros. Hein? Ah ouais. Ouais, il faut que je trouve le 1, mais c'est sur chaque face. Attends pas. Mais là, il n'y a pas de numéro, par exemple, tu vois. Je vois. Tu vois le 1, toi? Bah, c'est bien si on trouve pas. Il n'y a peut-être pas tous les jours du mois. Non, ça n'a pas l'air d'être là. Ah, je l'ai vu, je l'ai trop vu. Alors moi, j'ai trouvé le tien et toi, Est-ce que tu l'as quelqu'un l'a trouvé trouvé? le mien? Je suis bigleuse ou quoi? Ah, il est là. Alors, ça se trouve comment? Parce que moi, je suis un peu une catastrophe, quand même. C'est ça, tu penses? Waouh! Oh, c'est un gros! Oh, Trop bien! Cinnamon Snowman. Eh ben, franchement, moi, je vais pas tout manger de tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, je pense que j'en ferai gagner à certains d'entre vous. Si ça vous plaît, vous me dites ça en commentaire et je vous ferai un lot avec. Bah, je vais pas tout manger, hein. Franchement, moi je mange beaucoup ça en été et pas en hiver, donc je vais pas les garder inutilement et je préfère vous en faire profiter. Donc par exemple, ça je peux vous le mettre dans le lot, par exemple, si vous voulez. Voilà, vous me dites ça dans les commentaires, mais on verra pour demain ce qu'il y a dedans. On le remet sous le sapin en attendant. Et là-bas, on a la star, la star de YouTube. La star de YouTube. Bon, du coup, en tant que pigeonne qui se respecte, je me suis acheté un truc complémentaire pour mon e-compagnon. C'est une balance que j'ai payée la modique somme de 50 balles. Je sais, je suis un pigeon, mais je la voulais. Donc, bah, je l'ai acheté. Voilà, c'est tout. Je suis contente de l'avoir. En tant que ménagère de moins de 50 ans, je suis très fière de mon acquisition. Bon, bah, ce soir, c'est lasagne pour Antoine. Et moi, bah, je repars sur une petite soupe. Hein. Voilà, mon velouté que j'ai mangé à midi de chez Picard. Je l'aime trop, je vais l'en racheter. Et voilà, c'était tout. Regardez mon festin. Le retour de l'enfant prodigue. Bon, je voulais me coucher quand soudain, je trouvis une petite ado dans mon lit. Ça va, les papas écartés, on est au max. Hein. Bon, il est temps pour moi d'aller me coucher. C'est juste Luna derrière, hein, faut pas avoir peur. Je vais aller au dodo parce que demain, je vais au travail. Je suis trop contente, franchement, ça va me faire trop plaisir de les revoir. Mais j'appréhende le demain matin quand je vais devoir me maquiller. Et déjà, quand je mets ma crème, c'est du bout des doigts. Alors, mettre mon fond de teint, faut que je trouve un pinceau ou quelque chose parce qu'avec mes doigts,
Je pense que ça va être compliqué, je sais pas. Parce que j'ai quand même mal. Bon, je suis encore bien mastoc, hein. Mais bon, ça devrait aller. On a regardé Desperate Housewives toute la soirée. Du coup, ma soupe, je l'ai pas faite. Mais j'ai trouvé un site, enfin, Dashbox, là où on commande d'habitude au travail. On va commander pour les soutenir, en fait. Parce qu'à mon avis, ils ont perdu beaucoup de clients et ils font des soupes. Donc, c'est très bien. Je commanderai, bon, une petite soupe, c'est peut-être peu. Donc, j'en commanderai deux. Et puis, je me prendrai peut-être un dessert, un yaourt ou un truc comme ça. On verra bien. Donc, je vais aller au dodo. Oh mon dieu, non, mais cette tête, j'arrive pas à m'y faire. Hein. Même si avant, elle était comme ça, mais des deux côtés. Et donc. Luna et moi, elle est... on la voit même pas. On voit que ses yeux. On vous souhaite une bonne nuit et on se retrouve demain. Coucou à tous, nous sommes mercredi 2 décembre. Il est 7h23 et je suis prête pour aller travailler. Je suis trop contente, ça me fait trop du bien d'y aller une fois par semaine. Moi j'aime trop aller sur place, travailler avec mes collègues et tout. Elles sont super sympas, je les aime beaucoup. Donc ça me fait trop plaisir d'y aller. Je suis toujours gonflée mais c'est pas grave, j'ai réussi à me maquiller donc c'est cool. Je vais du coup vous montrer mon look du jour pour cette occasion. Je sors de chez moi pour aller travailler, ça fait quand même plaisir. Alors j'ai mis mon pull qui vient de chez Kiabi. C'est un pull rose que vous avez beaucoup aimé, que j'avais porté sur un de mes lives Instagram et qui vous avait beaucoup plu. Et ben il vient de chez Kiabi et je l'aime beaucoup. Je l'ai lavé plusieurs fois et il est toujours, enfin il pique pas, il est doux. Sur les bras il a un effet un peu brodé on va dire et j'aime beaucoup et il va très bien avec ma montre. Le jegging c'est toujours de Yours Clothing et pour les chaussures c'est des chaussures roses que j'avais achetées il n'y a pas très longtemps de chez Armistice. Franchement ces chaussures là c'est ma découverte de l'année. J'avais découvert ça sur l'insta de Marisa et j'avais vu aussi le blog de Neroli en parler. Et franchement une tuerie ces chaussures. Alors oui c'est 70€ la paire mais vous trouvez souvent des ventes privées. Mais franchement elles valent le coup. Bon je sais pas trop si vous êtes droit mais... Voilà, elle ressemble à ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ça fait un peu. Ça fait un peu Molière, j'aime bien. Elles sont un peu brillantes et tout. Franchement, très très jolies. Et je suis déjà bien dedans. Et c'est la première fois que je les mets. Parce que je les ai achetées pas longtemps avant le confinement. Donc c'est parti pour une nouvelle journée. J'ai pris la moitié de mes médicaments. Je vais prendre la deuxième partie. Je suis toujours aussi gonflée, mais c'est pas grave. De toute façon. Pour dehors, il y a le masque, donc personne ne verra rien. Normalement, ça s'entend plus quand je parle. Donc ça devrait aller. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Je suis trop contente. Moi, je viens d'arriver devant le travail. Je suis allée en voiture aujourd'hui. Et j'ai oublié de vous montrer sur mon look, si vous avez la question. Mes boucles d'oreilles, elles viennent de chez Jessie Atelier. Elles sont vraiment très belles. De toute façon, j'essaie de vous mettre tous les liens dans la barre d'infos, des vêtements, des chaussures. Et voilà. Allez, je vous mets dans mon sac. Comme ça, vous êtes avec moi. Et je vais travailler. Je vous retrouve ce soir. Bon, je viens de sortir du travail, j'ai un gros bleu qui est apparu et je suis à, on voit rien, je suis chez Picard, je vais rechercher ma soupe là, elle est trop bonne, j'ai une addiction à ce truc. Donc je vais la rechercher parce que j'ai envie de la manger ce soir, mais elle est vraiment trop bonne, franchement je vous la conseille fortement. Bon pour ce soir, c'est pommes de terre que j'ai acheté tout à l'heure chez Picard avec un steak pour Antoine. Et moi je me retrouve avec ma petite soupe, voilà, j'ai changé un peu à midi, ça m'a fait du bien. Mais la soupe ça fait quand même un peu moins mal. Donc le numéro 2 du calendrier de l'Avent My Mulcy c'était ça. Donc je suis trop contente, je pourrais le manger une fois que mes dents iront mieux hein, parce que pour le moment j'ai pas mangé une barre de céréales. Mais ça a l'air très bon. Coucou à tous, nous sommes jeudi. Il est 12h33. Jeudi 3 décembre et je vous prends que maintenant parce que ce matin j'ai de permanence téléphonique donc j'avais pas trop le temps. J'ai déposé Antoine au travail ce matin et ensuite j'ai repris le boulot parce que je commence un peu avant, je l'emmène et après je reprends le travail. Vous avez bébé chat qui est là-bas et vous avez mon sapin derrière qui clignote. Je suis désolée, il y en a une qui m'a mis un commentaire mais ça m'a un peu choquée en fait. Elle a jugé ce qu'il y avait chez moi. C'est chez moi. Franchement, des fois sur internet, c'est incroyable. Alors elle m'a dit, ça clignote là. En clair, ça fait mal aux yeux. Non mais c'est chez moi. Et ça a le don de m'énerver. Et dans la vraie vie, je lui aurais dit ça. Donc comme moi, je fais que des choses de la vraie vie, je le dis là. Voilà, je lui réponds en direct. Je n'ai pas voulu lui répondre par écrit parce que par écrit, ça peut être toujours un peu interprété différemment. Je trouve que les écrits ne sont pas forcément très clairs. Mais là... c'est un seul commentaire, mais ça m'a quand même choqué de se permettre de juger ce qu'il y a chez les gens.
En fait, je comprends pas. Ça me dépasse un peu, c'est pas le propos de ma chaîne, mais bon, c'est pas très grave. Bref, de toute façon, ce sera comme ça tout le mois de décembre, parce que ça, c'est là toute l'année, et ça, ce sera là tout le mois de décembre. Donc, il va falloir faire avec, hein, je suis désolée. Donc, pour être très originale, je me refais ma soupe. Mais très franchement, j'ai encore le bleu qui s'est accentué, hein, comme vous pouvez voir. Mais j'ai globalement moins mal. J'ai encore un peu mal, d'accord, mais j'ai moins mal au niveau de la douleur quand je tapote. Donc je trouve que c'est bien, c'est que ça avance bien. Mais c'est vrai que le bleu il s'est bien accentué comme vous voyez, hein. Donc je vous décris à chaque fois toutes les étapes parce que vous êtes plusieurs à me demander, mais même demander de faire une vidéo sur ça. Donc moi je me dis que peut-être vous décrire les étapes dans le vlog c'est bien aussi. De faire une vidéo dédiée à ça, je sais pas si ça a un grand intérêt. Dites-le moi, je sais pas du tout si ça peut intéresser. Mais c'est vrai que j'en ai regardé. Mais moi je vous décris tout dans le vlog, donc je sais pas. Mais en tout cas, ouais, le bleu s'est bien accentué. Les gens vont croire que je me suis fait frapper. Heureusement on a le coronavirus et le masque. Donc dans la rue ça ne se voit pas vu que je suis masquée. Et voilà, et elle est au max, regardez-moi ça, ce bébé chat. Tout bien emmitouflé dans le coin du canapé, elle a les plaids juste ici, je pensais qu'elle allait se mettre dessus, je lui avais mis les plaids pour qu'elle se mette dessus parce que Luna, elle aime bien appuyer sa tête, comme vous pouvez voir, elle aime bien appuyer sa tête sur une sorte de coussin, elle a choisi le coussin du canapé. Mais comme elle aime bien les plaids, je pensais qu'elle avait choisi, elle aurait choisi le plaid, donc non, bon bref. Donc voilà, je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent, tiens. Le numéro 3, il est juste là, je le vois. Bon, ça, c'est des baskets propres. Hein. C'est des nouvelles baskets que je me suis achetées pour la salle de sport. Je les ai achetées sur Showroom, je crois que je vous les avais montrées. C'est des baskets de la marque Lotto, rose, très classique. Du coup, on va voir ce qui se passe ici, le numéro 3. En fait, d'habitude, je bouge toujours et là, j'y pense parce que j'ai vu le numéro 3. Je me suis dit, ah. Le but, c'est pas d'abîmer mon verre non plus. Grosse pièce. Qu'avons-nous? Donc on a un granola bio avec des mûres, des framboises et des graines de chia. Voilà, donc ça c'est cool pour ça peut faire un goûter aussi. Donc voilà, je vais voir hein, si je vous fais ce que j'aurai à la fin. Je vais faire un lot je pense parce que je vais pas tout manger, ça fait quand même beaucoup. Parce que s'il y a que de la nourriture ça fait quand même beaucoup. Donc je vais voir si je peux vous faire un petit lot si ça vous intéresse, comme je vous en ai parlé en début de semaine. Donc depuis le début du calendrier j'ai eu ça dans le 1, j'ai eu ça dans le 2 et ça dans le 3. Donc voilà. Et du coup je vais vous remontrer le sachet de soupe que je mange là, que j'achète chez Picard. Parce que je pense qu'on va me le demander, je sais plus si je l'ai montré je crois. Mais cette semaine je crois que je ne l'ai pas remontré. Donc c'est le velouté de lentilles corail, crème de coco, curry et coriandre. Donc là vous avez les informations nutritionnelles. Donc pour une part à peu près 250 grammes, vous avez 247 kilocalories, donc ça va. Et là vous avez les ingrédients, donc vous voyez que c'est relativement bien composé, hein. Eau, lentilles, corail, crème de coco, jusque là tout va bien. Pulpe de tomate, oignon, beurre, lait, sel, curry en poudre, coriandre, purée de gingembre. Et c'est tout, voilà, donc moi je trouve que c'est une bonne alternative. Si jamais vous avez une extraction de dents de prévu, ce velouté là, il est délicieux, vraiment. Bon, il est 20h08, je suis encore en train de travailler. Je me suis juste interrompue 3 quarts d'heure pour aller chercher Antoine et puis je suis rentrée. Je continue à bosser parce que on a des deadlines et j'aimerais bien les respecter. Même si on n'a aucune obligation, personne ne me force à bosser encore. Hein, mais vous savez très bien, quand on est en télétravail, il y a l'ordi qui est là, c'est compliqué et on travaille beaucoup plus. Contrairement à ce que disent certaines personnes, ou certains patrons même, on travaille beaucoup. Mon bleu, là, j'ai l'impression qu'il augmente de plus en plus, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais bientôt arrêter parce qu'à 20h30, j'ai un live avec Amandine de l'Insta 10 of February. Je ne parle pas anglais du tout. Qui m'a invitée sur un live. Donc on va faire ça tout à l'heure. Et puis voilà, ça va être cool. Et puis ça me permet d'arrêter de bosser. Donc là, je vais quand même bosser jusqu'encore 10 minutes, un quart d'heure. Puis après, je préparerai mon téléphone et tout pour le live. Et puis je pense qu'on mangera après avec Antoine devant Desperate. Je mangerai ma soupe. Et voilà. Donc... j'ai pas fait la purée ce soir, du coup parce que j'ai bossé, donc je la ferai certainement demain. Et voilà, c'est tout. En plus, demain, j'ai rendez-vous chez le coiffeur, chez mon ami Kevin, qui travaille dans un salon à la Vente Sono, si ça vous intéresse.
Ça s'appelle Anthony R et je vous recommande Kevin 1000 fois, hein. Il n'y a que lui qui touche mes cheveux et ma soeur en général, donc voilà. Bref, je continue et puis je vous retrouve tout à l'heure, juste après, moi je ferai mon live et puis je vous retrouverai dans la soirée en tout cas. Bon, je vais aller me coucher, il est 1:33, j'ai très mal à la tête, je sais pas pourquoi, j'allais bien, j'ai fait le live avec... avec Amandine, c'était très cool d'ailleurs, je vous mettrai le lien de l'IGTV en barre d'infos si vous voulez. Mais j'ai très mal là, la tête et mal de ce côté là, alors que d'habitude c'est là. Mais j'ai l'impression qu'il a cousu ma joue avec ma dent, enfin c'est trop bizarre. J'ai l'impression que c'est cousu ensemble en fait. Je sens les fils sur ma joue en plus, je sais pas pourquoi il m'aurait recousu la joue. Surtout qu'il aurait cousu ma joue avec la dent, bon les fils vont tomber mais... Je trouve ça vraiment bizarre et là j'ai vraiment mal et j'ai mal jusqu'à la tête donc j'espère que... Bon j'ai pris ma température, j'ai 36,2 donc ça va mais je trouve ça étrange. Bon bref, je vais aller me coucher et puis on se retrouve demain. Demain je coupe tout ça. Coucou à tous, il est 8h11, on est le 4 décembre, je suis déjà en train de travailler. Je travaille, j'ai commencé un peu plus tôt parce que ce soir je pars plus tôt, j'ai rendez-vous chez mon ami Kevin, chez le coiffeur. Donc bah voilà, il faut que je fasse mes heures quand même. Et voilà, donc je vais travailler un petit peu. Vers 9h je vais aller prendre ma douche. Et je crois que vers 10h, 10h30, j'ai une réunion d'équipe. Donc voilà, la matinée va vite passer. Antoine est en télétravail ce matin. Et voilà, j'ai toujours mal à la tête, c'est pour ça que j'ai remis mes lunettes aussi. J'ai quand même un peu plus mal à la bouche aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Alors hier j'ai pris un antidouleur de moins, parce que je me sentais plutôt bien, donc j'ai peut-être les diminuer. J'aurais peut-être pas dû, donc je reprends un rythme de tous les 6 heures pour les antidouleurs, parce que finalement je crois que ça fait effet. Bon après j'ai continué mes antibios et tout ça, il n'y a pas de souci. L'histoire du semainier ça marche super bien, j'y pense, j'ai pas oublié une seule fois à aucun moment de la semaine, donc c'est vraiment cool. Je suis très contente pour ça parce que c'est très important et puis voilà, donc je vais travailler et voilà c'est tout. Donc je vous laisse et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon allez c'est parti, je suis en route pour le coiffeur, il est 15h20, j'ai rendez-vous à 16h et puis je reprendrai le boulot après. Je vais couper enfin tout ça. Bon je suis rentrée il y a un petit moment et donc voilà. J'ai coupé comme ça, je sais pas si on voit bien parce que je ne vois pas. Et là il m'a fait des bouclettes mais après ce sera lisse. Donc là j'ai mangé ma soupe et je vais manger mon dessert et on regarde encore le Desperate Housewives, comme tous les soirs. Bon, j'ai mis du rouge à lèvres rouge pour essayer. Et puis, j'ai trouvé que ça faisait bien. Donc, j'ai fait une photo que j'ai postée sur Insta. Le genre de truc que je fais jamais. En fait, je suis tombée dessus, je l'avais acheté, je l'avais jamais essayé. Et j'aime bien, en fait. Donc, je pense que je vais essayer d'en mettre un peu plus souvent. Mais comme on porte le masque, je crois que je l'avais acheté en plus... Ouais, je crois que je l'avais acheté chez Kiko cet été. Et puis après, avec cette histoire de masque, du coup, on n'en met pas. Je suis à la recherche de l'anti-corail. Je suis quasi sûre d'en avoir acheté. Parce que demain, pour la recette avec Emily, on en a besoin. Et ça m'embêterait d'en racheter alors que j'en ai chez moi. On est bien d'accord. Donc, je cherche partout mes lentilles corail. Bon, bah, je crois que j'ai rêvé. Hein. J'ai trouvé que ça, la céréale, lentilles et pois. J'ai peut-être confondu. Je sais pas. Bref, je vais devoir en acheter, je pense, parce que je ne les trouve pas. Bon, c'est effectivement un échec. Donc, je vais aller faire un drive. J'espère que je vais en trouver sur le drive parce que je n'ai pas du tout envie d'aller dans les magasins demain. Voilà. Et j'ai ma vaisselle à faire aussi. Il faut que je fasse ça. Bon, il est 18h. Je viens prendre mon antidouleur et je vais aller me coucher. Je suis fatiguée, j'ai fait mon drive pour demain à 9h et quelques. Je prends mon antidouleur maintenant parce que j'ai mal à la tête et que ça me soulage de le prendre. Et j'ai toujours une sorte de goût bizarre, j'ai beau me brosser les dents, j'ai toujours un goût bizarre, je sais pas pourquoi, c'est étrange. Donc voilà, je vais prendre ça et puis on se retrouve demain, bonne nuit. Coucou à tous, nous sommes samedi, cette voix, vous êtes les premières personnes avec qui je parle. Samedi 5 décembre, il est 9h53, j'ai passé une nuit un peu compliquée, je me suis réveillée à
presque 6 heures, j'avais mal à la tête, j'en pouvais plus. Fallait que j'attende, je crois, encore une demi-heure pour prendre mon second cachet, mais je l'ai pris parce que j'avais trop mal à la tête. En fait, il n'y a que ça qui me soulage partiellement. Et encore, je dois le prendre toutes les 6 heures et l'effet ne dure pas 6 heures. Là, j'ai déjà mal à la tête, par exemple, mais je peux pas le reprendre tout de suite. Donc voilà, hein, je subis, j'attends et puis on verra bien la semaine prochaine ce qui se passe. Donc là je suis prête, je vais aller chercher mon drive, j'ai le live à 11h30 avec Émilie. Donc je vais aller chercher mon drive, je vais voir si j'ai le temps de passer chez Picard, sinon j'y reste après-midi. Et puis voilà, c'est tout, c'est parti pour un nouveau samedi et je suis un petit peu KO quand même. Mais bon c'est pas grave, je me reposerai cet après-midi s'il y a besoin. Mais c'est vrai que d'avoir mal aux dents encore ça va, mais d'avoir tout le temps mal à la tête, ça me fait comme au mois de mai là quand j'étais pas bien. C'est compliqué d'avoir mal à la tête. Franchement, pour ceux qui ont des migraines tout le temps, je sais pas comment ils font. Respect à vous. Force à vous parce que c'est vraiment pas simple. Bon allez, je suis en route pour le drive. J'ai très mal à la mâchoire maintenant. Tout à l'heure j'ai entendu un claque, j'ai un peu peur hein, mais je sais que c'est pas les fils parce qu'ils sont toujours là. Je sais pas ce que c'était ce petit claque, mais bon, on verra. Juste que ce week-end il n'y ait pas d'embrouille. Et puis c'est vraiment, j'ai le portable du dentiste, donc je n'hésiterai pas à l'appeler. Mais j'aimerais bien attendre plutôt fin de semaine prochaine, parce que comme je retourne chez mon ortho et que la personne qui travaille avec lui est un stomato, il pourra faire avec moi. Et en plus je n'ai pas gonflé, donc Hélène, si tu regardes ce vlog, ma copine Hélène la vilaine s'est fait enlever les dents de sagesse. Elle ressemble à Amtaro. Alors c'était moi la semaine dernière, c'est elle cette semaine. Et je lui ai dit t'inquiète, je te rejoins, je vais regonfler parce que je me refais trifouiller les dents. Et en fait j'ai pas gonflé. Donc Hélène, I'm so sorry, je ne fais pas partie de la team hamster cette semaine. Mais elle se fiche de moi. La double lue. Elle me tue, j'adore. Ouais. Bon, en tout cas, je vais vous faire une update. Bon, là, je suis maquillée, mais j'ai encore le bleu, je suis encore gonflée. Et bon, avec le maquillage, ça va, j'arrive à camoufler. Mais alors, franchement, les migraines, j'ai trop mal à la tête. Je suis contente d'être rentrée, mais je pense que je vais prendre l'antidouleur un petit peu plus tôt parce que sinon, le live, je vais jamais réussir à le faire. Le live Instagram avec Emily à 11h30. J'ai mal, en fait j'ai vraiment mal partout à la tête. J'ai mal sur toutes les mâchoires. Au début c'était que le bas, maintenant j'ai mal en haut. Enfin bref, j'ai l'impression que ça se propage. Alors j'espère que c'est parce que ça cicatrise ou un truc comme ça, mais je sais pas, on verra bien. Bon, il est midi 44. Tout à l'heure j'étais un peu dans le mal quand je suis rentrée. On a fait le vlog avec Emily, le live, et pendant le live j'ai pris un médicament, du coup là ça va mieux pour le moment. Mais bon c'est un peu agaçant, surtout qu'il m'en reste, il m'en reste que 6, donc si lundi ça va pas mieux, je rappellerai le médecin parce qu'il m'en faudra certainement d'autres. Hein. Et donc voilà le résultat, franchement je l'ai goûté, elle est super bonne, donc j'ai mis dans mon petit bol comme d'habitude, et elle est, franchement la texture est vraiment très 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 réussie, je suis contente de moi. Moi je l'ai faite avec mon e-compagnon parce que déjà c'est plus pratique pour moi et parce que franchement j'étais pas dans un état où j'avais envie de faire de la cuisine. Donc voilà, j'ai enfin fait ma soupe et puis là je vais cet après-midi aller rechercher des soupes Picard parce que je les ai toutes finies, je manque que ça, donc voilà. Et Antoine a goûté, il a bien aimé, donc je suis contente. Et voilà, bref, je vais me poser vite fait, je vais manger ma soupe, je vais attendre qu'elle refroidisse, je vais manger ma soupe. Je vais rajouter juste un peu de sel parce que j'ai oublié d'en mettre et puis voilà. C'est tout, mais c'était trop cool, ça m'a fait trop plaisir. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram pour voir tous nos lives de samedi. Et Emily vient fin décembre, donc on fera un live à la maison, toutes les deux. Donc voilà, c'est trop cool. Bon, il est 16h20. J'ai eu très mal à la tête, j'ai pas bougé, j'ai pas été à Picard. J'ai dit tant pis, je vais me faire mes soupes, ce sera très bien. Donc j'irai lundi. Et là je suis du coup en train de refaire parce qu'en fait il me reste pas grand chose de la précédente. Donc je vais m'en faire une, comme ça j'en aurai au moins pour ce soir, pour demain midi. Et puis je m'en referai une pour demain soir et puis pour début de semaine prochaine. Et ce sera très bien comme ça. Donc voilà, je vais faire ça là pour le moment. Et puis à 17h19 normalement, il y a Emily, ma copine Emily, que vous connaissez sûrement si vous me suivez sur Instagram.
qui avait peint mon portrait, qui a peint le portrait de Matt Pokora pour le Téléthon et qui du coup, enfin il y a la ville pour laquelle elle a fait ce portrait qui va passer à la télé, donc je regarderai ça tout à l'heure, voilà. Et du coup je vais montrer ce que je mets dans la soupe, donc j'ai repris le bol comme ça, hein, ça servait à rien de le laver et je viens d'en faire. Donc j'ai pris un oignon que j'ai, moi avec ma machine ça l'a émincé. Là je suis en train d'éplucher les carottes. Donc là j'ai ajouté mes lentilles corail, donc il y a 130 g de lentilles corail, il y a à peu près 500 g de carottes, donc un oignon. J'avais sorti de l'ail, j'ai oublié de le mettre la première fois, j'ai oublié la deuxième fois mais bon c'est pas grave. Je vais rajouter une briquette de lait de coco et 80 ml de lait, du curry et hop c'est parti, je fais chauffer. Bon il est 18h21, je vais faire mon truc de médicaments de la semaine, comme ça sera fait parce que j'en ai encore pour ce soir, après c'est fini. Au niveau de la soupe, voilà il me reste ça, donc ça c'est ce qui me reste juste de ce midi et j'ai refait un plat comme ça pour demain notamment, je pense que ce sera demain et après demain, voilà ça sera très bien. Et ce rouge à lèvres, c'est un Kiko, il a tenu toute la journée, bon en même temps j'ai pas beaucoup mangé vous me direz, mais il a tenu des fois, même dans une matinée, même quand je mange pas, j'ai plus de rouge à lèvres. Bah celui-là il est bien, attendez je vais vous le montrer quand même. Il s'agit de ceux-là là, avec l'embout gloss de l'autre côté, c'est le Unlimited Double Touch, et j'ai la teinte de Lucie d'Alabara. Je crois que c'est ça la couleur de la teinte. Donc voilà, bon j'ai encore mal partout mais je vais pas vous le redire sinon ça va devenir chiant. Il faut que je range ce couloir aussi, ça serait bien. Donc voilà, je vais faire mon petit truc là avec mon médoc et après je pense qu'on va manger et on va regarder Desperate et je vais peut-être regarder les Energy Music Awards, je sais pas, on verra bien. Bon il est 19h23, je viens de vous filmer la vidéo sur... comment je me sentais, comment je voyais les choses. Il y a mon armada là que je dois ranger. Ce regain d'énergie, tout ça. Je voulais vous en parler un petit peu. Et puis pourquoi pas vous insuffler un petit peu de force. Voilà, c'est le but de ma chaîne. Et je voulais partager ça avec vous. Donc voilà, je vais ranger tout ça. Et puis je vais aller me démaquiller, me mettre en pyjama tranquillement. Et là ça va, l'ibuprofène, ça m'a fait un peu du bien. C'est pour ça que j'en ai profité pour filmer. J'ai un peu moins mal à la tête, même quasiment pas, donc on va voir. Et voilà, c'est tout. Bon, je suis posée, j'ai ma petite soupe veloutée et je vais regarder les Energy Music Awards, le temps de m'endormir parce que je suis KO, je pense que je vais bientôt dormir. Bon, c'est l'heure pour moi d'aller me coucher. Il est très tard, il est 2h du matin. J'ai repris un ibuprofène à minuit parce que j'avais mal, mais j'ai eu beaucoup moins vite mal qu'avec la codéine. Donc on verra. En tout cas, cette semaine, elle était quand même frustrante pour moi, je vais pas vous le cacher, parce que passer de manger ce que je veux à pouvoir manger que de la soupe, de la purée et manger des yaourts, c'est frustrant. Heureusement que j'ai pas eu de crise cette semaine parce que je sais pas comment j'aurais fait. Ça se trouve je me serais tué la bouche et j'ai peur que ça arrive, donc j'espère que je vais guérir rapidement. Normalement ça devrait pas arriver parce que ces derniers temps je suis dans un bon mood et ça fait un petit moment que ça m'est pas arrivé, donc voilà, mais on n'est jamais à l'abri de ça et j'en ai très peur, voilà, parce que dans ces moments là tu réfléchis plus, hein. Tu bouffes et puis voilà, c'est tout ce qui se passe. Donc voilà, on verra bien comment ça va se décanter tout ça. J'espère avoir vite moins mal, que le bleu parte enfin définitivement. Après je suis pas à plaindre, j'ai pas une maladie où je sais que je vais mourir ou des trucs comme ça. Donc voilà, je suis pas du tout à plaindre, mais c'est compliqué quand même. D'avoir des douleurs encore ça va, mais quand ça bloque quelque chose par rapport à la nourriture... Voilà, donc en tout cas j'espère que tout le monde va bien, que ce petit vlog avec moi vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, au moins le vlog. Et puis en attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao. Stressing out like crazy, just wanna be lazy with my girls.